Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo en PVP avec une team toxique. Donc c'est une team honnêtement tu peux perdre assez facilement si tu fightes Escanor, tu vois, mais bon, on va dire qu'en réalité il y a beaucoup de gens qui jouent des murs ou même d'autres teams. En fait, Escanor est de moins en moins joué, pourquoi? Parce que bah, le personnage se fait littéralement coucher en 2 secondes par Gilda, des murs, etc. Donc automatiquement, je le redis, tu vas fight les nouvelles teams. Donc pourquoi cette team elle est toxique? Pour la simple et unique raison que des murs tu peux pas le taper, donc forcément tu dois focus soit Elisabeth, soit notre ami Deka. Donc le choix le plus logique ça sera Deka, hein, parce que bon les gens vont pas tuer Elisabeth. Et le truc c'est que Deka tu vas lui jouer un stuff full taux de régène. D'ailleurs j'ai oublié de le dire mais c'est une vidéo de Dora-chan. J'ai oublié de le dire au début je crois, il me semble. Bon bref c'est une vidéo de Dora-chan. Et c'est vrai que ce combo de Deka existe depuis très longtemps. Et le truc, c'est que bah, actuellement, on est obligé de taper Deka, en fait. C'est inévitable. T'es obligé de taper Deka, sinon bah, tu as tué Elisabeth et il y a l'aspect. Parce que littéralement, là, les amis, regardez, j'ai une bouffe hull, donc je commence avec 3 jauges. Donc le mec tue Elisabeth, j'ai l'aspect de Deka, j'ai limite win, en fait. C'est ça, le combo. Et des mieux, je sais, après, j'enchaîne avec l'aspect, blablabla, tu connais les bails. Bref, c'est une team totalement toxique. Encore une fois les gars, vous pouvez perdre contre Escanor. Juste avant, j'ai tenté de faire quelques recs, je fight un mec qui jouait Escanor Roxy. Enfin, le seul mec qui joue ses teams d'ailleurs, lol. Mais bref, let's go, vous avez compris le combo. Demiurge, il est en attaque, DCC, Defcrit. Deka en full taux de régène. Jauge et Orb, pareil, il me semble. Donc là, tu vois, si on fight un bot, bon, normalement, il va tuer... Soit il va focus Deka, bon, normalement, il va mettre là-haut, lol. Donc là il y a une level 2 donc le bot il va taper. T'en prends vraiment rien. Let's go. GG. Donc voilà les gars le combo quoi. Faire ça. Donc là on va bloquer le mec en face. Bon là c'est un bot hein, donc forcément c'est facile à proc. Mais encore une fois les gars vous avez compris l'idée. Enfin je veux dire c'est totalement débile quoi. Et là en gros oula. Ah il va y avoir une fusion ou pas Non ça va, il n'y a qu'une carte. Lol. Donc là en fait ce qui est simple les amis, c'est que bon là il va y avoir... Ok là oh nice. Le truc c'est que maintenant vu que je vais mettre ma spé de démiurge. Là, j'ai le rank up de Deka d'ailleurs. L'aspect de Demiurge, elle met un bonus sur toute ta team qui ignore la Death Crit et qui va ignorer la Res Crit. Et le truc, c'est que. Bah. notre team. Tu sais quoi, on va taper ici. Je joue Deka en fait. Je joue Deka qui fait énormément de dégâts. Vous allez voir. Bon, déjà, regardez les dégâts ici. Voilà. Et le truc, c'est que maintenant, on va faire trop mal en fait. On va faire juste beaucoup trop de dégâts. Regardez Deka, bon. Il n'y a pas non plus un stuff attaque. Hein. Regardez les dégâts de Deka. Voilà. 939 000. GG. Parce que Deka, les gars, faut pas oublier que c'est un gros DPS. Hein. Déjà, à l'époque, on s'en rappelle, le perso, il nous a un peu trauma par rapport à ça. Lol. Et bah voilà, Deka... Broken. Deka est totalement pété. Deka, en vrai Deka tu lui fais une relique, le perso il est dans la méta instant, enfin je veux dire Deka est toujours fort, son gros défaut ça prend 10 ans quoi. Et en fait pendant 2 tours il est pas très utile, tu vois c'est ça le problème, c'est que pendant 2 tours le perso il est en réalité pas très utile. C'est pour ça que, ouais c'est compliqué quoi. Compliqué, compliqué les amis. Hein. Hop, cleanse. Let's go. GG à nous. En vrai, je sais pas si je mets la. Ouais, bon, c'est qu'on va jouer comme ça en vrai. De toute façon, le truc, c'est que mets-le pourra pas cleanse vu qu'on met les flammes. Et bah, let's go. Bon, encore une fois, malheureusement, c'est un bot. T'as des cas, c'est tellement fort. Le fait est que tu puisses pas jouer aussi, c'est n'importe quoi.
Là, il fait trop mal ce perso, hein. C'est grave. Hein. Vraiment, ce perso est tellement déséquilibré, mais c'est hallucinant quand même. Hein. Il est tellement fort. Hein. What the fuck? Donc hop, 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 on a gagné les gars. Voilà. Let's go. Oh là, des camps encore une fois les gars. Fait, voilà, ouais d'ailleurs, il va faire combien de dégâts? 403 000 avec le bois. Non les gars, ça a abusé. Hein. Vraiment, des murs, je... Ouais, il a pas trop hein, le perso. T'as le buff, what the fuck, hein. Il est vraiment trop fort ce perso en vrai. Je vous jure les gars que ce perso est trop fort. Hein. Des cas c'est n'importe quoi. Hein. On fait voir sur... Attends, on a combien d'attaques d'ailleurs? On a 33 000 d'attaques, ok. Bon, classique avec des cas j'ai envie de dire. On va mettre la E pour voir les dégâts. Est-ce que je mets la monocycle pour les dégâts en vrai? Tu sais quoi, je vais mettre... Non, tu sais quoi, on va mettre la E pour le délire, tu vois. Bon, on s'en fout, t'as pour pif. Hein. Je vais voir les dégâts, il fait de la E avec le bonus. 270 000, ouais, ouais les gars, FD1, vraiment, les larmichettes, comme on dit. Ouais, bon. DK est bien déséquilibré comme il faut, enfin, je veux dire, les gars... ah, c'est n'importe quoi, vraiment, c'est abusé, hein. Ce jeu, c'est n'importe quoi, en vrai, on a trop de teams de débilos, c'est ça que je commence un peu à... Enfin, je commence un peu à péter mon crâne, tu vois, avec une nouvelle méta, parce que... Ouais, les gars, c'est cool, je le redis, c'est cool, one shot, blablabla, etc. Mais le truc, c'est qu'en réalité, il n'y a aucune réflexion quand tu joues. Genre, c'est abusé, les gars, on réfléchit même pas, en fait, quand on joue dans le jeu, actuellement. C'est une dinguerie. Enfin, bref. Au calme. On est là, hein, comme on dit. T'as vraiment le stuff taux de régène, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi, les amis. On se régène. Damage cap, GG à nous. Damn, on fait le même play qu'avant, hein, du coup. Ah là là là. Meurs pas frérot, nice. C'est mieux qu'il meure pas, comme ça au moins on peut faire des petites dingueries, tu vois ce que je veux dire. Donc là, le truc qui est cool, c'est que Gelda, elle est pas beaucoup stackée, tu vois. Donc, D'ailleurs, combien d'attaques des murs, genre 28 000, tu vois, 28 000 d'attaques dans la team, enfin c'est abusé quand même. Hein. Hop, l'aspect des murs, let's go, boum. Bon, tu sais que l'aspect des murs, elle fait pas non plus énormément de dégâts en réalité, je trouve, hein. Ouah, 527 000, enfin, les gars, c'est Nao, hein. 527 000. Ah là 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 là, mais c'est n'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi, ce jeu. Hein. Je vous jure, les gars, le jeu, il est pété, hein. Zéro van, il est pété, le game. On va mettre la mono-cible. Bon, on joue au pif, on s'en fout. Voilà, mono-cible avec l'effet. Il y a que deux flamands, d'ailleurs, sur l'ennemi. Ouais, bon. Allez, hein. Ouais, ouais, bon. Les gars, vous avez compris la team. La team, elle est totalement broken. Après, encore une fois, les gars, je le redis, c'est une team. Tu peux perdre, t'es pas invincible. Il faut insister là-dessus parce que là, en gros, on fight des bots. Donc, forcément, c'est à peu près auto-win. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, les amis, ouais, c'est. Bah, c'est n'importe quoi le jeu, en fait. C'est n'importe quoi. Le jeu part en cacahuète, j'ai envie de dire. Il y a trop de teams broken avec des mioches, par exemple. Donc ouais les gars, des bisous. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, j'ai oublié de le dire.